Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Donc pour vous les Verseaux en signe solaire ascendant lunaire et si la guidance nous parle plus du sentimental, bien évidemment en signe vénusien. Alors Verseaux, pour votre semaine, on va voir un petit peu ce qui se passe en ce moment et comment la situation évolue durant la semaine. Donc on va voir bien évidemment une seule situation. On va commencer avec l'énergie dominante de la semaine avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va prendre 5 cartes du Lenormand The Sweetness Of, le tarot Morgan Greer pour recouvrir, et à la fin, je vous lirai une petite carte de l'oracle Les Saisons de la Sorcière. Voilà les Verseaux. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à soutenir la chaîne, liker, commenter éventuellement, mais surtout abonnez-vous. Merci infiniment à tous les Verseaux qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Et si vous désirez quelque chose de personnel, si vous en avez besoin, vous trouverez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Donc, on pourra comprendre vos situations dans les détails. C'est le plus important pour avancer. Les conseils, les prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Verseau, allez voir vos autres signes, parce que là, pour une fois, j'ai décidé de sortir les 12 guidances en même temps. Et j'espère dimanche soir, sinon ce sera lundi matin. Allez, c'est parti les amis, on y va. L'énergie dominante de votre semaine, Verseau. Allez, go, Verseau. Quelle est l'énergie de votre semaine? Bon, les amis, nous avons ici la carte repos et ressourcement qui est sortie renversée. Alors, peut-être que là, cette carte est en train de nous dire que c'est terminé de se reposer. Hein, pour vous, les Verseaux, peut-être que la semaine dernière, voilà, c'était une semaine assez cool où vous vous êtes reposé, où il n'y a pas eu trop d'action. Bon, voilà, j'ai l'impression que là, c'est une semaine qui va être assez trépidante. Hein, c'est possible. Vous allez agir davantage, peut-être dans une situation, peut-être dans un projet. Vous allez faire les choses. Enfin, voilà, c'est terminé le repos. Hein, il y a des choses à faire. Il y a des choses à gérer. Vous avez assez pris le temps de vous reposer, apparemment, de vous détendre. Là, ça bouge. Hein, les énergies sont en train de changer pour vous. Donc, pourquoi? Peut-être parce qu'il va y avoir quelque chose qui se passe dans votre vie de nouveau. Voilà, peu importe. Mais on va voir tout de suite la suite. Les Verseaux. Allez, go! On y va avec le Lenormand, on va poser les 5 cartes pour comprendre un petit peu tout ça. Attendez, il y a un chat. Viens ma Soussou. Elle vient. Viens ma Moon. Viens. Viens Soussou. Viens. Viens. Soussou. Vous voyez, les chats, ils nous demandent d'ouvrir. Mais quand on ouvre, ils ne rentrent pas. Allez, allez. Voilà, elle rentre. Allez, go. Les chats, ils sont adorables. Hein. J'adore les chats. C'est vraiment mon animal préféré. Hein. J'en ai deux d'ailleurs. Mais ils sont tellement ingrats. Allez, c'est parti, Verseau. On y va. Alors, Verseau. Oh, on a deux cartes. Alors, on a le chien. Bon, bah, cette carte, elle sort depuis le début. Le renard. Ok. La lune. Le cavalier et la carte de l'enfant. Bon, ici en dos du paquet, on a la carte du mont. Donc, le mont représente un blocage, un obstacle qui est bien évidemment parfaitement contournable. On peut parler de retard. Donc, je pense que c'est ça en fait. Vous êtes reposé pendant un moment, enfin, vous avez peut-être attendu ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a eu soit des blocages, soit des obstacles, soit un retard. D'accord? Il y avait comme une difficulté à dépasser. Bon. Allez, on y va. En plein centre, Verseau, on a quoi? On a la carte de la lune. Hein, et la carte de la lune, là, nous parle d'intuition, d'émotion, nous parle d'imagination, mais ça peut nous parler aussi des honneurs. Et moi, je pense que pour vous, Verseau, c'est plus les honneurs. C'est comme s'il y a quelque chose qui était bloqué, qui vous a forcé finalement au repos, hein, ou à l'attente. Et là, la situation, bah, voilà, vous obtenez les honneurs, elle est en train de se débloquer apparemment. Hein. Alors, là, dans les énergies récentes, on a quoi? On a la carte du chien. Donc, le chien peut nous parler d'amis, peut nous parler d'une personne sincère, peut nous parler aussi de proches ou d'un animal aussi, pourquoi pas. Mais bon, ça m'étonnerait. Hein.
Ici, avec la carte du renard, on peut parler de travail, de méfiance. Donc, c'est possible, hein, Verseau, hein, que c'est vous hein, qui avez été... le chien peut aussi parler d'honnêteté, mais on va voir comment la guidance tourne avec le tarot. Bon, peut-être que vous avez été prudent, méfiant. Par rapport à un ami ou un proche ou dans le travail, c'est possible, vous avez été honnête. Hein. Bon, on voit qu'il y avait des blocages. Hein. Là, vous avez les honneurs hein, qui arrivent incessamment sous peu, donc une réussite, je pense. Et là, on a le cavalier. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui arrive incessamment sous peu. Ça peut être une nouvelle, ça peut être des visites. Et là, on a l'enfant. Donc, on parle de nouveauté. D'accord ? Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes en train de dépasser un blocage, un obstacle. Maintenant, il faut vraiment qu'on regarde avec le tarot qu'est-ce que tout cela veut dire. Alors, le chien. Allez, Verseau, le chien. Soussou. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chien ? Le roi de coupe, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion peut-être, ou bien vos émotions, l'amour, une question d'honnêteté, de sincérité envers vous-même. Alors, on va voir ça, Verseau. Ah, waouh, roi de denier, le jugement, waouh, et deux de coupe là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux personnes, un choix, le retour de deux personnes pour certains Verseaux, un signe, ou bien c'est vous. L'honnêteté envers vous-même, vous avez fait un choix entre deux personnes, parce que le jugement peut être ça. Deux coupes, il y a une des deux personnes vers qui on vous pousse. J'ai un signe d'eau, un signe de terre, donc poisson, cancer, scorpion, taureau, vierge, capricorne, un choix entre deux personnes ou le retour de deux personnes. Ensuite, le renard. Alors, prenez le premier message qu'on a eu sur le professionnel quand même. Hein. Là, on clarifie, mais ça peut nous parler de toute autre chose. Mais c'est possible qu'au niveau professionnel aussi, ça matche. Alors, le renard, donc c'est peut-être quelqu'un de rusé ou c'est peut-être vous qui avez besoin d'être rusé ou malin quant à ces retours ou ce choix. Allez, on va voir ça. On va comprendre, Verseau. Oula, ben dis donc. Bon. Ah, regardez, deux pentacles. On jongle avec deux. Ah ben oui. Et on prend... Ah, vous avez jonglé avec deux, Verseau, et vous avez pris le temps de choisir. Vous avez pris un temps pour choisir. J'ai bien ces deux personnes. Alors, soit ça a été le retour de deux personnes, soit ça a été le retour d'une personne ou l'arrivée d'une autre personne. Enfin bref, à un moment donné, il y avait deux personnes. Et le 2 de denier, vous avez jonglé avec ces deux personnes Verseau. Vous avez pris votre temps, tout simplement pour mettre fin à l'une des deux personnes. Pour agir. Donc, vous avez certainement communiqué, manipulé, peu importe, mais dans votre intérêt. Et puis, j'ai envie de dire, vous avez raison, hein, pour savoir qui est la meilleure personne pour vous. C'est possible. En tout cas, je pense qu'il y a eu un choix qui a été fait. Bon, là, vous avez les honneurs, ok? Les honneurs par rapport à ce choix. Donc, il fallait se reposer, il fallait attendre, patienter. C'était bloqué, vous ne saviez pas quoi choisir. Et là, tout se débloque, ok? Alors, c'est quoi les honneurs? Ouh, le diable! Est-ce que votre choix, c'est Capricorne? On va voir. Ou votre choix, c'est parce que j'avais la tour, hein, c'est d'avoir refusé quelqu'un qui est Capricorne, je ne sais pas. Alors, on va voir ça. Le diable, et on a le 4 d'épée. Bon, vous avez pris des distances avec quelqu'un qui est Capricorne, Verseau. Ouais. Je pense qu'il y a un signe d'eau dans votre... En tout cas, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez pris des distances avec quelqu'un qui est Capricorne, mais en tout cas, ça peut être le cas avec le diable 4 d'épée. Et là, vous vous sentez bien avec ça, en accord avec ça, ou soit vous avez pris des distances à une des deux relations qui était pour vous toxique ou dans laquelle vous-même vous étiez dans une triangulaire peut-être avec la personne qui était prise, voyez.
Bon, la semaine prochaine, comment ça évolue tout ça? Il y a une arrivée. Qui arrive? Qui arrive? Le 4 de denier. Le 4 de bâton. 10 d'épée, il y a bien eu une fin. Ce qui arrive à vous, c'est un engagement, perso. Ce qui arrive à vous, c'est un engagement. Maintenant, je ne sais pas de laquelle des personnes. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Mais effectivement, vous avez fait le bon choix, je pense. Hein. Maintenant, c'est un engagement. Quelqu'un veut vous garder ou vous voulez garder quelqu'un. Et là, on a l'engagement. Bon, et l'enfant, c'est tout nouveau. Est-ce qu'il y a possibilité aussi de faire un bébé? Il y a quelque chose comme ça. 9 de bâton. 7 de coupe. Vous êtes dans l'insouciance, vous êtes dans le lâcher-prise. Vous vous protégez de vos propres doutes. Doute de revenir sur la décision. Ok, bon, c'est space. Hein. On va mettre une carte sur les deux personnes. Le roi de coupe, si ça, ça peut vous parler. Le roi de coupe. Moi, je pense, Verseau, que vous avez fait le bon choix. Le roi de coupe, 5 d'épée. Des disputes, des choses qui tracassent. Le roi de denier. Cavalier d'épée, pareil, de la colère, de la pression, mais le roi de denier, c'est un lien d'âme karmique. Donc, ça peut être un peu difficile et compliqué. Des regrets, alors Verseau, peut-être des regrets par rapport à un signe d'eau. Ouais, quelqu'un, ben, un signe d'eau. Des regrets, quelqu'un qui est très bienveillant, qui vous aime énormément. Et avec le signe, et le signe de terre, on a la tour. Blessure de l'âme. On a quelqu'un que vous n'aimez pas forcément, un signe d'eau. Clairement, mais qui est très, très bien pour vous. Et on a un signe de terre que vous aimez, mais qui vous détruit. Donc, je pense, Verseau, que vous avez fait le bon choix de prendre des distances avec ce signe de terre, pour moi, et que là, vous avancez vers quelque chose de plus stable avec ce signe d'eau. Mais c'est possible aussi que ce soit le contraire, bien évidemment, il y a de la nouveauté comme un engagement ou peut-être la décision de faire un bébé pour vous empêcher de revenir sur votre décision et de revenir en arrière. Moi, c'est ce que je perçois. Maintenant, Verseau, ça peut aussi nous parler là, du domaine amical. Allez, on va terminer, les amis. Donc oui, effectivement, hein, voilà, c'est la fin du repos. Là, vous dépassez un obstacle et c'est super. Allez, on termine avec l'oracle des saisons de la sorcière pour clarifier ça. Le cabinet d'hypothécaire, sans volonté, sans se lier d'amitié avec eux, ils sont des étrangers sur ton chemin. C'est la carte numéro 1, donc il y a bien un nouveau départ aussi. Hein. Alors, si votre moi supérieur a choisi cette carte, c'est que votre voyage ne fait que commencer. Même si vous avez l'impression d'arpenter ce chemin depuis longtemps, il vous faut des outils, des compétences ou des ressources pour arriver à votre destination rêvée. Par exemple, si vous aspirez à plus de richesses, demandez-vous si vos efforts ne sont pas sapés par des problèmes financiers ou des habitudes néfastes. Avant de rencontrer l'amour, vous devez sans doute commencer par vous aimer vous-même. Pour avoir des amis de confiance, il faut peut-être éliminer les relations toxiques. Prendre le temps d'effectuer ce travail intérieur vous épargnera des jours, des mois, voire des années à tout recommencer sans cesse. Votre âme a choisi cette carte pour vous encourager en douceur à regarder honnêtement où vous en êtes dans votre voyage. Toute transformation passe par une prise de conscience et le premier pas vers un changement radical est de savoir où vous vous situez. Avec les bons outils et de la volonté, votre vie pourrait être bien différente dans 6 mois. Bon. C'est tout ce qu'on a. Donc, là, il y a un travail, il y a un travail sur vous, un travail même acharné. Je pense que là, ces deux relations vous a aussi aidé à faire un travail sur vous. Et très honnêtement, Verseau, moi, je pense que vous avez fait le bon choix. Maintenant, à voir selon chaque personne. Bon. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une très, très belle semaine et à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.